Alors, tu parles de vie privée et dans ton livre, tu montres à quel point la vie privée évolue au fil du temps. Mais aujourd'hui, avec des règlements comme le RGPD, n'est-on pas arrivé à un consensus? Un consensus aujourd'hui, à mon avis, il va être difficile à obtenir parce que la vie privée, c'est d'abord l'histoire de combat, combat au pluriel. Faut comprendre que la vie privée, elle a été définie en premier fin 19e siècle aux États-Unis comme étant la capacité à être laissé tranquille, hein, to be let alone. Et puis pendant presque 100 ans, on n'y a pas touché parce qu'elle était dans le droit commun et ça ne bougeait pas. À partir du moment où ont commencé à émerger les bases de données, notamment du côté bancaire, là par contre, on voit arriver des grands débats. Et ces débats, ils vont être d'abord menés par des juristes, hein. Notamment, on peut penser à Alan Westing, qui, par exemple, travaille sur l'assaut sur la vie privée. Enfin, il y a quelque chose de vraiment très vindicatif dans toute la littérature qui va arriver là, fin des années 60, début des années 70, avec finalement tout un appareillage rhétorique, argumentaire, qui est à la fois basé sur 1984 d'Orwell, avec une vision de la dystopie de la société qui va arriver avec la surveillance totale de notre vie privée, et puis d'un autre côté aussi une conception inspirée de Max Weber sur cette société du dossier, la bureaucratie qui arrive, etc. Alors, les premiers combats vont être menés par les consommateurs. Fin des années 60, hein, avec des consommateurs qui vont commencer à s'intéresser à ce qu'on fait des données dans le domaine bancaire. Les banques sont les premières à acheter en masse des gros ordinateurs, notamment grâce aux innovations que vont faire des firmes comme IBM. Et les sociétés de consommateurs vont s'apercevoir que il y a des listes noires qui circulent, que on n'obtient pas un crédit parce que on a fait l'objet d'un blacklisting quelque part, que tout cela n'est finalement que très peu organisé et régulé. Et l'État américain va émettre la première loi en faveur de la protection des consommateurs, c'est le Fair Credit Act, en 1972. Et les États-Unis vont commencer à initier là une démarche qui va être celle de l'État protecteur donc de la vie privée par rapport à l'émergence des bases de données et de leur exploitation et du traitement des données informatisées. 2 ans plus tard, c'est le Privacy Act de 1974 qui va faire l'objet aussi là de grands débats au niveau du Congrès américain. Et vont être mises finalement à jour les stratégies des banques et des assurances. Et les grands scandales qui vont suivre vont être aussi toujours en référence au Privacy Act. Par rapport à ça, donc la vie privée, elle va évoluer. Elle va évoluer parce qu'on va commencer à travailler sur ce qu'on appelle la privacy. La privacy, c'est l'ensemble des éléments qui construisent la vie privée en réaction à toutes ces pratiques de surveillance. Et on va arriver, par exemple, à inclure dans la vie privée non seulement le fait d'être laissé tranquille, donc to be let alone, mais aussi plein d'autres choses, comme par exemple le secret des correspondances. Donc tout cela va se construire, et puis ça va déborder évidemment du seul espace géographique américain. En Angleterre, par exemple, va arriver tout un ensemble de scandales qui sont liés comment dire, au recensement des populations et à la vente des données à des entreprises privées. Donc là, pareil, même époque, hein, on est en 1975, si je me souviens bien, il va y avoir des scandales avec le journal Le Sun qui va bien attiser les questions là. En France, c'est l'affaire Safari en 1974 qui émerge avec la tendance un petit peu de l'État, du ministère de l'Intérieur à vouloir ficher tous les Français. Et en 1978, on arrive à la création de la CNIL. Mais aussi, on a aussi tendance à l'oublier, c'est des banques, notamment, enfin des organismes de crédit plus exactement, comme le CTLM, qui vont aussi
se suréquiper en matière informatique, et donc j'en fais aussi toute une étude de cas dans le livre. Enfin bref, tout cela va constituer une bulle de la vie privée, de la privacy internationale, et qui se dresse contre les stratégies de marché et la marchandisation des informations personnelles. Donc on voit bien que l'histoire de la vie privée, c'est l'une des lignes de convergence qui va permettre de construire une histoire du capitalisme de surveillance à partir de tout un ensemble de problématiques technologiques, politiques, sociales, qui construisent cette histoire finalement assez complexe. Voilà.